Alors voyons voir. Vu qu'on est parti avec allemand, est-ce qu'il y a l'allemand là-dedans? Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Hein? God of War, allemand. Heavy Rain, allemand. Eh oui. Parce que tout était prévu depuis le début. Putain! Bah oui, Heavy Rain, en vue de la sortie prochaine de Monsieur Détroit. Je me suis dit que, vu que quand même c'est des jeux extrêmement complexes au niveau de la manipulation et du gameplay, il faut des heures et des heures d'entraînement pour réussir à se brosser les dents convenablement, mais également à boire un verre d'eau, je me suis dit que pour la pratique, il valait mieux refaire Heavy Rain. Et il était quand même vraiment joli. Hein. Ah, il peut se mettre rouilleux. Ah oui, attention. C'est du haut niveau, attention là. L'émotion est à son paroxysme. Allez, on va essayer de s'immerger dans le bordel. Tellement d'émotions. Tellement intense. Envoyez son cul. Vous rappelez pas de ça, dis donc. Bah alors, monsieur David, dites donc là. Attention, hein. Et le PEGI 18. Qu'est-ce que je suis beau gosse. Évidemment, avant de sortir de chez vous, toujours faire un petit coup de la voiture télécommandée du fiston, c'est très important. Hein? Ça vous procurera des émotions intenses, vous le savez très bien. Voilà. Évidemment, ensuite, vous reposez la télécommande par terre, parce qu'évidemment, il y a des meubles partout, mais une télécommande se pose à même le sol. Vous le savez, c'est comme ça. J'ai un milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il va y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Ethan! Je sais, je fais attention. Ethan! Je sais, je fais attention. Ethan! Je sais, je fais attention. T'inquiète pas, chérie. Maîtrise. J'irais bien jouer dehors avec les enfants. On étouffe ici. Un courant d'air ferait du bien. J'irais bien dehors jouer avec les enfants. Et juste après, oh, qu'est-ce que j'ai chaud! J'arrive pas à choisir! Comment vais-je faire? Allez, viens, Jason. On va faire l'hélicoptère. Non, pas toi, tu mérites pas. Non, pas envie. Le fun est tellement présent. Ah là là, il nous tarde Détroit. Hein. Je ne peux plus attendre. On va le dessouder. Allez, Jason. Laisse tomber. Je vais t'embrocher. Je vais t'embrocher. Regretter.
Si ça c'est pas plus épique que God of War, les gars, je m'y connais pas. Le coup de fendoir. C'est ça. On lui a fait le coup de fendoir à la fin. Finalement, ça ressemble beaucoup à God of War. Hein. Eh, sans déconner. Je dirais même que peut-être que les gars de chez Santa Monica auraient dû s'inspirer de ce système de combat. Hein. Eh. Jason. Si là il n'y a pas du harcèlement sexuel, je sais pas ce qu'il y a, les gars. Oh, ce jeu n'aurait pas pu être fait en 2018. Jason. Hein. Hey, mon grand, comment tu t'appelles? Oh la vache. Quel ballon te ferait plaisir? Il flotte. Le rouge. Il flotte tous. Mais t'as grossi, Jason. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est tout bouffi. Que l'émotion, je suis submergé. Je ne peux me contenir. Et du coup, maintenant, il vit dans un vieux taudis. Voilà ce qui se passe. Ne laissez jamais écraser vos enfants. Hein. Parce qu'après, vous vous rendez compte, c'est une catastrophe. Hein. Regardez ça, sa situation. C'est pas possible. Une TV 720p, une vieille table. C'est pas possible. Tiens, Sean, voilà ton goûter. Merci, papa. Bon, incroyable. Le plan le plus triste du monde. On fera jamais mieux. Est-ce qu'il veut bouffer? Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Ah bon. Alors moi je dis une pizza, ça lui ira. Et les devoirs? Ah non, mais les devoirs c'est pas grave, les devoirs on verra demain. Allez, une pizza d'il y a une semaine, ça lui ira très bien. Comment je la pose sur la table? Je ne peux pas. Allez, une pizza froide. Oh, écoutez, quel est le problème, franchement? Hein? Une pizza glacée, voilà, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux pas? Ah, il en veut pas en plus. Putain, il en veut pas. Très bien. Alors, on va la mettre. Il y avait un four. Là, le micro-ondes peut-être. Le micro-ondes, bien sûr. Évidemment. Allez, ça fera l'affaire. Emballer, c'est peser. Un vieux reste d'il y a 15 jours. Quel est le problème? Oh putain la vache, c'est une tristesse. C'est prêt. J'espère qu'il y aura plus ça. Oh la vache, mais dedans c'était vert. Vous avez vu? C'est vert dedans. Tu peux venir, Sean? Ton repas est prêt. Ton repas est prêt. Mais c'était vert. Aïe aïe aïe. C'est bon, Sean? Dire un psychopathe. Quoi? Mais non. Sérieux? Merde, aussi gouré. Mais c'est n'importe quoi, franchement ça n'a aucun sens quand même. Et le mec il est censé être triste. Juste après avoir bouffé, il va jouer avec les pommes. Je pouvais comprendre au début du jeu, parce que ça avait un petit peu de sens, vous voyez, le mec il est joyeux et tout. Mais là, ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi on nous propose ça? C'est débile. Je suis désolé, je trouve ça trop con. Hein. Allez, au dodo. Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatigué. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Non. Ça ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher.
D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi ? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Je te rejoins. Ah, je pouvais éteindre la téloche. Bah, j'aurais dû faire ça, tiens. Pour lui apprendre. Bonne nuit, Sean. Mon nounours ! J'ai pas mon nounours, papa ! Tu l'as sûrement laissé quelque part dans la maison. Tu n'as pas une idée où il peut être ? Non, papa. S'il te plaît, je peux pas dormir sans lui. On va le mettre en pension. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la maison. Non, je vais mettre tant pis. Ok ? Merde. Tant pis, Sean. Il faut dormir maintenant. Oh non, papa. S'il te plaît, j'ai besoin de mon nounours. On n'est même pas sortis. Non, on le retrouvera demain. Maintenant, tu dors. Maman me laisserait jamais dormir sans mon nounours. Pourquoi t'es méchant comme ça avec moi ? C'est pas ma faute si Jason n'est plus là. C'est pas ma faute. T'es l'émotion. Il s'en remettra. Et vous, Ethan ? Que ressentez-vous ? Je me sens comme... comme anesthésié. Comme si rien n'était vrai. C'est quoi cette réponse ? Je me sens... Après, je me dis que tout ça comme anesthésié. Je vais finir par me réveiller. Allez, papa ! Fais-moi voler ! Bien amusé. Hey Jaden, vous venez ou quoi ? Une seconde, j'ai eu une absence. Vous avez déjà rencontré le lieutenant Blake ? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. J'aime bien son trajet. Le mec zigzague entre vous les bureaux. Savez faire ? On l'a doublé ! Ah, oh, c'est énorme. Ouais, mais il revient. Mais what? Mais... Mais what? Le mec il va pisser à tous les trucs. Qu'est-ce que cette connerie? Et... Bon, on va essayer d'entêter. Il est revenu. Non. Il est encore revenu. Il est revenu l'autre. C'est le seul qui va pisser dans ce commissariat, c'est énorme. Oh putain. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Je crois qu'il est possédé. Il est possédé. Complètement possédé, l'inspecteur du FBI. Un exorciste. J'ai aussi perdu. Pour être sympa, pour une fois. Je sais ce qu'on sent. Alors vous comprendrez. Je ne On va utiliser la méthode douce. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps. Alors si jamais il crève, ce sera ta faute, ordure. Parle. Sauver mon fils. Alors. Fumier. Gentil monsieur, allez-vous-en. Mais t'es sourd ou quoi? Comment il avance? Énorme. Non monsieur. Je me l'approche discrètement. Attention, je me l'approche du tueur. Bon, je vais passer de l'autre côté. Je vais passer. Putain, mais il pouvait aller plus vite, ce con. Vite! Putain, mais il peut pas aller plus vite, quoi!
désolé. Allez. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non. Je voulais me tourner de l'autre côté. Putain, vieille. Je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment? Mon prénom. Andrew. Je m'appelle Andrew. On est copains tous les deux, Andrew. T'as quelqu'un que t'aimes autour de toi? Une petite amie? La famille? Ouais. Une petite fille. Eh, tu veux la revoir, Andrew? Tu veux la revoir, Andrew? Alors baisse ton arme. Bien essayé. Pendant une seconde, j'ai presque marché dans ton baratin. Et maintenant, file-moi la thune. Mais loul. Je compte jusqu'à 3. Mais non. Mais putain. 2. Est-ce qu'on est de bon con? Attendez, non mais je suis désolé. Mais c'est complètement débile. Et franchement, le truc il s'arrête. Le bonhomme, il braque le vendeur. Moi, je fais ce que je veux, je m'approche de lui et je prends son arme. Mais c'est complètement con. C'est complètement con, franchement. Je suis désolé, mais c'est débile, quoi. C'est, franchement, c'était ridicule. C'était complètement ridicule ce qui s'est passé. Oh putain, mon dieu. Ah la vache. Je sens que je vais aimer cette séquence. Je sais pas pourquoi, ça me plaît déjà. À mon avis, ça se trouve dans le visuel. Ah, voilà. Ça devient intéressant. Donc moi, je veux continuer à la diriger maintenant. Hein. On ne peut pas. Mais attends, je m'en souvenais pas de ça. Pourtant, ça aurait dû me marquer, c'est bizarre. Ça m'étonne de moi. On dirait un vieux téléfilm de M6 le dimanche soir il y a 20 ans. Hein. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Oh putain. Un vieux téléfilm de M6 le dimanche soir il y a 20 ans. L'angle de caméra parfaitement choisi. Hein. David a tout contrôlé. Mais genre, ils sont combien là-dedans? C'était un rêve. Oh là là, je me rappelais pas que c'était un rêve, ces conneries. Donc en fait, ce qu'on vient de faire là, ça n'a servi à rien, quoi, finalement. Sacré David. Ah, il nous a bien eu. Ah, quelle fourberie. Quel farceur, ce David. Ah, c'est bien lui, hein. Monsieur Mars. Quelques mots, monsieur Mars. Monsieur Mars. Vous voulez un Mars? Vous imaginez un mec comme ça? Ah, il bouge plus! Il est bloqué! Ah, ils vont tomber si je les touche. Ah, ça c'est rigolo! On va tous les faire tomber! Ça me plaît! Oh, en plus ils sont nombreux là! Excellent! Vous n'avez aucune expérience du terrain! Vous êtes qu'un putain de bureaucrate! Oh, alors là, ça va chier. Votre grande expérience du terrain n'a pas empêché le tueur de noyer 8 victimes sans être inquiété. Ce connard! Ça fumier de lapin! Merde, Jayden! Tirez! Je le dessoude! Comment je tire, là? Ah, ben voilà. Je l'ai tué. Ouais. Bon débarras. L'équipe était tarée. Il doit être content, il est allé rejoindre le Seigneur. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Ah voilà, on va lui donner des gâteaux. Ça aime les gâteaux les bébés, non? Ah, et des gâteaux là. Il y a des cookies. Il n'en veut pas. Alors, comment ça marche déjà? Il est tout rond. Je me demande qui a fait les bruitages. Qu'est-ce que c'est que cette séquence encore?
Il y a un vrai nom que chez ce bon vieux David. Merde, je suis raté. Merde, c'est pas du tout comme ça. Mais oui, mais c'est de la merde aussi, c'est QTE. Des gâteaux à un nourrisson. Mais si, des gâteaux, mais oui. Des cookies, tout va très bien. Là, il est le problème. Bon, voilà. Ça y est, il est content. Oh, c'est quoi ce jeu? C'est David, les gars, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a trop d'émotions. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Émotionnellement, c'est le summum. Nous sommes au paroxysme de ce que l'on peut faire. Balance mon maman sur une branche d'arbre. Balance doucement le bébé. Ok, excuse-moi. Merci, oh merde doucement. Oh putain, la vitesse. Balance doucement le bébé rigole. Merde, je suis gouré. Ok, excuse-moi. Bercer plus doucement. Balance doucement, le bébé s'envole. On va aller très doucement là. Salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une chambre. David a approuvé ce dialogue. Qu'est-ce que vous voudrez, poupée? Mon nom. Emplissez le registre. Oh, on dirait une parodie, hein. Oh la tête! Mais c'est tellement une parodie! C'est une parodie! C'est pas possible! Ce qu'on vient de voir, sans déconner les mecs, c'est une parodie! Tout ce que tu veux, poupée! Ok, je viendrai te voir dans ta chambre plus tard. Je te ferai une petite ristourne. Et putain, il fallait laisser appuyer. Oh là là là. J'y arriverai. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Excusez-moi. Ah non, faut faire doucement. Oh putain, je m'y ferai jamais, les gars. Je m'y ferai jamais, faut y aller doucement. Oh putain. Ah putain. Voilà, c'est bon. Mais quoi? J'étais le plus doucement possible du monde. Oh putain, j'en peux plus. Bon. Voilà. Écoutez, ça suffira, hein. C'est très gentil à vous de m'avoir aidé. Mais je crois que je vais m'en sortir tout seul. Il a plus envie du coup. Alors du coup, il a plus envie. Je vais y aller. Putain, mais quel ingrat! Genre, je suis pas un bon docteur, moi. Au fait. Oh là là, c'est tellement Shenmue, ça. Shenmue, les gars. Shenmue est dans la place. C'est un bon poissonné! Monsieur! On ne touche pas le poisson à l'étage! Je déteste ces bestioles. Les poulets! Énorme. Lâchez ce ton rouge. Oh, rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. J'attends parce que machine à écrire juste à merci côté. Merci de votre adorine. Attendez. Tiens, c'est Alain Juppé à droite là. Il y a Alain Juppé. Il s'est reconverti. Oh non, il faut encore le coup du pansement. On va encore le soigner. On va encore le soigner avec la trousse. Et on fait, mais ce jeu c'est simulation docteur ou quoi? Docteur urgentiste simulator.
Bon, là j'avoue, je le fais exprès. Je me demande si je vais au chiotte, si le black il va tout en venir. Attendez. Mais oui, il est là. Il est là. Il est là. Oh, c'est énorme. Le mec il va pisser 300 fois par jour, putain. C'est génial. Et... le voilà. Attends, voyons. Ils vont être deux du coup. Est-ce qu'ils vont se télescoper, non? C'est bon? Putain, on dirait tellement des robots, regardez-moi ça, quoi. Ah putain. On commence sur les chapeaux des bonnes grosses roues. Putain, ils vont nous mitrailler, merde! Il veut nous shooter! C'est un méchant monsieur! Malédiction! Plus de munitions! Attends, non! Je te filerai tout ce que tu veux. On va leur refroidir. J'ai de la cam! Tu veux de la cam? Pour qu'ils comprennent à qui il a affaire. S'il te plaît. Ne tue pas, mec. Je t'en supplie. Il vient d'essayer de nous shooter 15 fois. Ah, moi je le dis sous, je suis un fou. Moi aussi j'ai un fils. Ah, fait qui... Comme ça il a compris à qui il a affaire, putain. Sans déconner. Si encore il nous avait pas tiré dessus, on aurait pu être magnanime. Mais là, faut quand même pas déconner. Voilà, on a négocié tous les deux. Moi c'est comme ça que je négocie, hein. Attention, hein. Tu prends un verre, j'allais m'en servir un. Oui, pourquoi pas. Et ensuite, on montera dans la chambre. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Mais on peut peut-être trouver un compromis tous les deux. Marble Street. Oh, est-ce que tu veux tout savoir? Oh, le vieux cri! Ce qu'il y fait. La chirurgie... Le cri, il est énorme, hein. Je sais. Pas d'instrument, j'espère. Le cri, il est trop mal fait. On dit que c'est pas elle qui crie, c'est énorme. Bon, maintenant retournez danser devant Paco. On va bien voir s'il ne remarque pas. Elle pose son sac à main juste à côté. Tout est normal. Attends, je suis un spécialiste là. Aucune erreur. On va impressionner Paco Rabanne. Il en peut plus. Merde, pas ça, pas ça. Oh là là là, champion du monde! Oh là là, la maîtrise! La maîtrise du gameplay! Je m'en rappelle de cette séquence. Ça y est, ça me revient. Montre-moi ce que tu sais faire. Avec sa veste en peau de zèbre. C'est énorme. Enlève tout ça, bébé. T'as vu ma veste? Ah, ça devient intéressant. Allez, Paco! Moi, je suis pour Paco, hein. Cette scène. What the hell? Continue, bébé. Je crois que tu commences vraiment à me plaire. J'ai toujours su que je faisais de l'effet. Mais pas à ce point-là. Mais pas à ce point-là. Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. Oh. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte. J'ai filé les clés à un type. Il cherchait un endroit. Il avait de quoi payer. Comment il s'appelle, ce type? Je sais plus, je le jure. Cette séquence.
Shepard, c'est tout ce que je sais. Oh la vache. Oh, cette scène. Et bah voilà, c'était pas si difficile. Attention. Ne suis surtout pas foiré les QTE là. C'est le QTE le plus important du jeu. Où est sa bouche? Par là. Merde. Ah oui. What? Ça c'est trop mal fait. Oh là là. Les QTE vont commencer à me faire peur là par contre. Hein. J'ai pas vu jusqu'où ça va aller mais. On a raté le lit. On a foiré le lit. N'approchez pas! N'approchez pas où je tire! Pitié, ne me faites pas de mal. J'ai eu un petit coup. Touché. 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 Le bruit. Le bruit est énorme. Il nous faut le coup des pilules, putain! C'est un choix cornélien! Attention! Alors qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce qu'on peut pas l'étrangler en même temps? Ce serait mon choix personnel, mais bon. On ne peut pas. Allez! Cigarette, Kramer! À la revoyure! C'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on. Il vient quand même de tuer 20 gars. Il est balèze, hein. Hein, 20 gars qui arrivent dans la maison, mais lui par contre, on a un petit état d'âme avec lui. Aucun sens. Mais alors David, ça n'a aucun sens ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme Nathan Drake. Dans l'Uncharted, qui tue des centaines et des centaines de types. Et puis quand tu les vois dans les cutscenes, le mec... Ah! Est-ce que je vais tuer quelqu'un? Non, c'est pas possible. Je ne survivrai pas. Le mec, il vient juste de tuer une armée. Mais c'est pas bien, ça! C'est déjà l'heure de mon médicament? Non, madame. C'est l'heure des médicaments. Je trémousse mon fessier. Je trémousse mon fessier. Bon, je bois. On n'a que trois thèmes pour tout le jeu. Que trois thèmes. Pour tout le jeu, seulement trois thèmes. Une cache secrète. C'est Anne Frank. Anne. Sylvie peut revenir d'un moment à l'autre. Parce qu'on n'a pas trouvé l'endroit où était Sean. Peut-être là, dans la commode. Ah oui, dans la commode.
Pas du tout. Tiroir du haut. Coucou. Très bien. Ça sent le cochon grillé. Ça commence à sentir le roussi, cette histoire. Merde. Non. On crame. Elle va se foutre dans le frigo. Ah d'accord. À Indiana Jones, très bien. Une bien belle cachette. Mais non! Oh putain, voilà qu'il faut lui faire le massage cardiaque à lui maintenant. Trop d'émotions. Mais il est vraiment mort là? Ah mais il est mort en fait. Ah, sacré David! Quel farceur, le coquin! Il nous fait croire qu'il a trépassé. Oh, ah là là. Quel talent de mise en scène ce David. On y a tellement cru. Putain! Il nous balance des cagettes à poules. Oh putain, mais ça c'est angoisse quoi. Oh putain, ce coup de masse. Je crois que là on est assommé là. On se relèvera plus. Non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais quoi? Je suis mort! Mais c'est abusé, la basse! Bon, ben on s'est fait broyer dans le broyeur. Au moins, il aura plus ces espèces de crises d'épilepsie. C'est le soulagement à la une aujourd'hui. Finalement, la police est parvenue à identifier le tueur aux origami. Scott Shelby a réussi. J'ai à des yeux de Merlin Frey. Un mandat d'arrêt international. Malheureusement, cette enquête aura coûté la vie à Norman Jedden, le profiler envoyé par le FBI pour enquêter sur l'affaire. Il a été tué dans des circonstances encore mal éclaircies alors qu'il tentait d'arrêter le tueur aux origami. Il une s'est fait broyer la mouille à 108. Ils sont quand même pas mal ces lunettes. Allez, juste une fois.